Il faut comprendre que là où on se situe en ce moment est la ferme familiale des Daou depuis 7 générations. On a une intermission de 40 ans où mon père a vendu à M. Saint-Denis, mais en décembre, on annonçait que Ferme d'hiver a fait l'acquisition des Sœurs Vaudreuil, qui est essentiellement la ferme familiale des Daou depuis 1700 quelque chose. Alors, mon nom est Yves Daou, je suis chef des technologies et fondateur de Ferme d'hiver. Il y a plusieurs éléments dans la production de la fraise d'hiver. Essentiellement, on est dans un environnement où tout est récupéré. Donc, quand on donne 1 litre d'eau à un plant de fraise, je récupère à peu près 800 à 900 millilitres d'eau. L'eau qui reste, qui est évaporée, on la récupère. L'eau qui est drainée, on la récupère. La seule eau qu'on ne récupère pas, c'est l'eau qui va dans les fruits et dans les feuilles. Donc, en termes d'éco-responsabilité, il n'y a pas de perte. Je m'appelle Daphné Mayotte, je suis directrice commercialisation et communication chez Ferme d'hiver. Ferme d'hiver, c'est une entreprise de technologie. On conçoit, déploie et exploite des sites d'agriculture en environnement contrôlé. Notre premier concept, c'est une ferme verticale dédiée à la culture de la fraise. À la base, les plantes ont tous les mêmes besoins. Ils ont besoin d'avoir du soleil, du vent et de la pluie. Essentiellement, Ferme d'hiver reproduit l'ensemble des conditions environnementales qui permet de recréer l'environnement idéal pour faire pousser, dans notre cas, c'est de la fraise, mais on pourrait faire pousser des salades ou des herbes de tout genre ou toutes sortes de légumes. Faire le choix d'une fraise d'hiver à l'épicerie, c'est faire un choix pour la planète parce qu'on a choisi un fruit qui a été cultivé de manière éco-responsable avec une logique d'agriculture raisonnée. C'est faire un choix pour notre économie locale, étant donné qu'on encourage les producteurs d'ici. Et finalement, c'est faire un choix pour notre santé parce qu'une fraise, c'est un aliment qui a non seulement bon goût, mais c'est aussi un aliment rempli d'antioxydants, de fibres et de vitamine C. La fraise d'hiver, en trois mots essentiellement, là, c'est une fraise qui est mûrie sur le plant. Donc, mûre, d'un gabarit toujours d'une belle grandeur, belle grosseur, et surtout très nature, donc sans contaminants. Pour déguster une fraise d'hiver, c'est sûr que je conseille d'y aller nature, parce que croquer dans une bonne fraise, une locale qui goûte l'été en plein mois de février, ça n'a pas d'égal. Par contre, c'est sûr que j'ai un petit faible pour avoir un gâteau de fête shortcake en plein mois de mars ou encore une bûche de Noël à la fraise pendant les sorts. Donc, pour l'avenir, ce que je souhaite après l'hiver, bien, c'est de prendre encore plus de place sur les tablettes des épiceries. Notre mission, c'est de contrer les importations et c'est ce qu'on va faire avec nos projets d'expansion qui s'en viennent.